m'envoie tout de suite la demande auprès des équipes techniques. J'ai juste une dernière chose. Voilà. Vous êtes joignable à quel numéro? Vous êtes joignable à quel numéro? Vous appelez sur le portable de Monsieur Goutaudier, c'est ça? Sur le téléphone de Monsieur Goutaudier? D'accord, donc c'est 34-615. Ok, donc c'est noté, j'envoie tout de suite la demande auprès des équipes techniques. Merci, au revoir.
Daniel, la science informatique, bonjour. C'est-à-dire? Oui. D'accord. Alors, regardez votre nom, s'il vous plaît. Pris la main dans le sac. Non. C'est sur le poste que vous avez des filles 722 Z. L'écran devient illisible et vous devez redémarrer votre poste, c'est ça? Une fois que vous redémarrez votre poste, l'écran redevient visible, c'est ça? D'accord. Moi, je vais envoyer le ticket auprès des équipes techniques. Vous êtes bien joignable au 8676? D'accord. Vous m'avez dit au 86034, c'est ça? D'accord, moi c'est noté, j'envoie tout de suite la demande auprès des équipes techniques. Hein. Voilà, je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Débordé, hein, ça n'a pas arrêté. J'imagine. Non, j'avoue que c'est le premier appel que j'ai depuis que je suis revenu. En plus, on va avoir trois tickets de livraison qui vont arriver. Et en fait, c'est un seul rendez-vous pour une personne. En fait, les trois, il faut regrouper ça en un seul rendez-vous avec Guylaine. Donc ça fait trois tickets de livraison traités en un appel. ça va être vitrié. Et le contact, c'est le RID, ce qui est souvent joignable à Guylaine. Oui, ça va, on arrive à joindre ces. Ouais, les confinements et tout. Donc je pense que ça, plutôt que d'avoir trois tickets de livraison qui tombent, il faut courir. Traiter FISA. Peut-être que demain ça ne fonctionnera toujours pas. Mais quoi? Il sera indisponible entre 20h et 6h30. Oui, mais c'est parce qu'il travaillait dessus et qu'il a coupé le service. C'est parce qu'il travaille dessus. Et c'est un arrêt volontaire. Bon, après, c'est. Ça résume aussi, c'est possible qu'il y ait une merde dans leur intervention. Et c'est pour ça que je dis ça. Qu'il n'y ait plus l'application.
Je pense que vu l'importance que c'est, ça devrait fonctionner. Ils vont dormir ici. C'est pour ça qu'il y a des sacs de couchage. Ça, un truc comme ça, les gens, ils peuvent pas laisser l'application en vrac. Mais c'est vrai, c'est quand même. Bah là, alors, en ce moment, il y a un vrai problème dessus. Quoi. Généralement, on n'a pas autant de plantage. Toutes les années avant, il n'y avait pas autant de plantage. Ah ouais, mais là, depuis un certain temps, putain, ça n'arrête pas. Ouais, là, il y a un problème. C'est quoi? Je me vois à qui? Bah oui, je me vois à la fois aussi. En plus. Vous avez mangé vite, non? Non, moi j'ai mangé vite en tout cas. Ouais, ça c'est des... Benoît qui me foutait la pression. Pique pas la bouffe. Ouais. Du coup, il avait peur que Benoît que David pique sa bouffe. Parce qu'il voulait me piquer mes bananes en fait. Ouais. Benoît voulait te piquer tes bananes. Ouais. Tu lui as fait une patate. Non, mais j'ai empêché de les prendre en tout cas. Bon, ça va alors. T'as bien fait. Puis j'avais pas de patates sur moi, donc c'était compliqué. Ah merde. Des carottes ? Une carotte alors ? Non, j'ai même pas de carottes. Des haricots, à lui, t'as un coup d'haricots. Coup d'haricots, ouais. Ça l'aurait pas calmé. Ouais. Ça l'aurait pas trop calmé. Les carottes, moi, ça lui fait rien non plus. La dernière fois, il a fait un bisou. Quoi ? Les carottes, ça lui fait rien non plus. La dernière fois, il a fait un bisou à mes carottes. Donc, À ta carotte ou à tes carottes ? Pardon. Carottes. Donc, du coup. Il m'a fait mal. Mm-hmm.
C'est Daniel, assistance informatique. Bonjour. Merde, je pouvais pas m'allonger, merde. Alors, vous souhaitez qu'il y a un logiciel qui soit sur les postes de fort dans la salle. Putain, 6e j'ai terminé. 6e. J'étais presque. 6e sur 100. C'est presque en ordre. Ouais. Presque. En marge. David le joueur en marge. Le joueur argenté. Bientôt. On va passer à l'instant. Sera en ordre. Franck, tu peux prendre ta tâche. En gros, il y a un truc de formation. Il est dans une salle de formation. Il voulait savoir comment ça fonctionne pour les trucs de formation, pour que lui il puisse accéder à un logiciel qui montre à d'autres personnes. J'ai rien contre ça. Je suis désolé à ton métier, mais c'est par rapport à une salle de formation en gros. Comment il s'appelle? Attends, j'ai fait. Allô? Oui, votre nom s'il vous plaît, vous êtes monsieur? Monsieur Dumont. D'accord. Avec un T ou avec un... Avec un T Antoine. D'accord. Je vais juste vous transférer auprès d'un de mes collègues.